toujours dans le bas de la voie. Le gros des verres, il demande d'être en tension en permanence. Dans le premier crux, bouger chaque partie de son corps, c'est dur. Dès que tu bouges un pied, une main, tu dois contracter tout le reste de ton corps pour compenser le déséquilibre. Je suis vraiment à ma limite dans ce crux. Oh mec, yes. Oh, ça m'a cuit, hein, cette histoire. Mon idée avec cette voie, c'était de découvrir le next level. J'étais dans une bonne période de progression. Je voulais voir où étaient mes limites, en fait. Je me suis retrouvé à Saint-Léger un week-end, sans trop savoir ce que j'allais grimper. Et en passant sous la voie, direct, je me suis dit, va voir. Et je suis monté. Je suis content d'avoir découvert ce que c'est de se mettre un chantier. De pas renoncer, d'accepter les phases de moins bien où tu régresses, mais en y croyant toujours. Enchaîner tous ces mouvements, ça me paraissait ultime. Parce que pour faire cette voie, il fallait que j'enchaîne deux blocs de mon niveau max, l'un à la suite de l'autre et sans repos. Moi, je suis tombé des centaines de fois. Parfois proche d'enchaîner le premier crux ou la traversée. Et d'autres fois à plus bouger, à tomber tous les deux moves. Et même dans cette fin, je pense qu'il serait un 8B en elle-même, ça m'arrivait de tomber. Alors du coup, il y a des jours où c'était dur d'y croire. Une fois en haut, j'ai vraiment eu du mal à croire que j'avais enchaîné parce que j'étais tellement tombé que partir du bas et aller jusqu'en haut sans tomber, ça paraissait dingue. Maintenant, je veux partir à la recherche d'autres voies extrêmes, mais je voudrais aussi pouvoir switcher de la voie au bloc à la grande voie. Parce qu'être polyvalent, c'est une grande source de motivation et ça a toujours été mon but à long terme.